décès du terroriste Paul Rose. Ça suffit, les folies, de la réhabilitation d'un tueur. Marc, quand on était jeune, est-ce que ça l'inquiétait pas de parler avec nous de son passé politique? Moi, je pense qu'il savait pas comment le faire. Puis c'était trouver le bon moment pour le dire. Paul Rose, vous avez été vraiment un des chefs là, du noyau falkiste. Il a pu avoir un leadership, mais entre le terme de leadership et puis le chef, il y a quand même une différence. Paul, il était tout le temps à l'avant-plan parce qu'il méritait d'être là. Il voyait autant l'exploitation des pêcheurs que l'exploitation de tout le Québec, tu sais. Mon oncle, ça ressemblait à quoi votre enfance à Ville-Jacques-Cartier? C'était tout du monde qui n'arrachait. Mon mère était confrontée à voir du monde mourir, parce qu'il y en a qui en mouraient. De dessus, il y a des enfants qui posent la voix à travers. Madame Rose, j'avais formé le comité d'information sur les prisonniers politiques. Ceux qui sont là, là, qui n'ont pas d'idéal, ces choses-là, j'imagine que ça va être terrible, parce que les conditions qu'ils ont, c'est inhumain. Moi, je suis contente d'avoir des fils comme j'ai. J'aimerais bien que les beaux puissent un jour faire des actions pour les autres, pas seulement pour eux-mêmes. Cette femme-là m'a mis au monde en tant qu'individu dans une collectivité avec des responsabilités face à cette collectivité-là. Les systèmes qu'on utilise, la bourgeoisie qu'on a aujourd'hui, s'est emplie sur nos parents. Nous autres, on s'est révoltés et ils n'ont pas eu rien de nous autres. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir lorsque vous avez déclenché ces événements? Les moyens démocratiques étaient bloqués. Nous, à un moment donné, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait passer à autre chose. La cellule de financement Chenier vient d'enlever le ministre à Pierre Laporte. Moi, je me souviens, tu m'avais dit, tu sais pas quoi, ma cousine vient de me dire que mon père, ils ont enlevé un ministre puis qu'il l'a tué. Puis toi, ta réaction, mon père, il pourrait pas faire mal à une mouche. Quand tu regardes le communiqué, ça dit vraiment que c'est le FLQ qui a exécuté Pierre Laporte. On est responsable jusqu'au bout. On l'aurait pas kidnappé, il serait pas mort.